pral pral chercher pour nous Assad Volsi côté que qui pral gagner réaction puisque il semblerait que Assad Volsi lui-même tout selon un tweet n'a regardé là et que le t'a voyagé hier et il t'a metté le dans avion il t'a retourné en Haïti et maintenant qui ça reproché nous pas connait nous pral échanger pour nous ta connait qui reproche que vous faites avec puisque et chaque monde capable toujours interpréter et dire ça vous voulez mais monde qui dévive situation c'est lui-même qui va dire nous exactement qui genre ça passé parce que tout le monde a fait interprétation mais et ce qui est ce qui n'est pas donc nous allons échanger avec Assad Volsi pour que nous capable connait qui genre ça t'est passé. Assad Volsi, bonsoir. Bonsoir, Campagne. Bonsoir, Mano. Bonsoir, Val. C'est un plaisir. Vous nous faites parler après-midi. Hein? Ça fait longtemps que nous n'avons pas interviewé sur Scoop. Merci pour l'opportunité. Très bien. Comment est-ce, Assad? Qui est-ce que un moment? Mon cher, en pleine forme, mais un peu fatigué. Parce que hier, nous étions en voyage. J'en connais là. J'en ai annoncé là. Vous et puis arrivé aux États-Unis Scoop. Et puis immigration et relais-nous pour poser nos questions. Donc, je voulais préciser rapidement que, contrairement avec Yon Pruitt qui dit que c'est un avion et venu prendre moi, pas du tout. On était déjà dans l'immigration. Et c'est à ce moment, moi, bien, il y a un homme qui a fait une chachine, il relève ce qui est interdit dans l'espace. Et puis, il me rappelle là, puisque ça fait longtemps que j'ai oublié de bonne manière. Et puis, il a réprimandé, il me dit de loin, vous faites mon campé téléphone, non. Ensuite, je continue à attendre. Et puis, finalement, il me suivre l'île, non, Malé. Et puis, je vois des noms moins, je vois un passeport à côté de la ça ne pas le faire. Et puis, finalement, l'agent, il m'a demandé justement pour me suivre. Et bien, il a me suivi, il a checké bagage moins, il a fait au pied. Et finalement, il a dit, je fais des heures à peine. Et il était vraiment étonné. Et pas des reproches. Haïti débat. Et un, ces manifestations que nous faisons devant l'ambassade américaine. Et ils ont ajouté violent réel, ce que nous rejeté. Et ils ont évoqué relation avec Jean-Charles Moïse, et que nous connaissons qui était subi pratiquement. Eh bien, l'interrogatoire a duré vraiment des heures autour du hasard. Et de l'ambassade américaine qui a manifesté sous Martelly et relation Moïse, et puis deuxièmement, petite toile, enfin, il y a une petite saline, en pile question sur petite saline, etc., etc., que nous répondons. Donc, clairement, on voit que c'est une forme de violation de droit de manifester, puisque, on voit les États-Unis même pour la support de la démocratie. C'est-à-dire que, même si c'est pas démocratie. Je ne sais pas que je suis capable de boucher le monde qui a le manifesté. Je me songeais de ça. Il me dit très clairement hier que je n'ai jamais manifesté devant l'ambassade américaine contre le gouvernement américain. Au contraire, on a manifesté devant l'ambassade du Canada, des États-Unis, justement, pour nous demander, pour le désolidariser de Michel Martelly, que nous estimons qu'il a casé le pays, et comme nous connaissons. Et malheureusement, comme nous voyons aujourd'hui là, nous qui avons manifesté contre nous qui avons gagné l'argent, nous avons eu des difficultés, c'est réel comme ça. Et puis, nous qui avons gagné l'argent, nous avons libéré, nous avons flané aux États-Unis. Donc, pour résumer rapidement, et moi, naturellement, c'est pour parler de trop rien, même puisque c'est la première fois qu'on peut vivre ça. Et je m'avais parlé de ça, c'est son droit à dire que lié. Donc, moi, je respecte la décision que je prends. Et maintenant, je n'ai pas dit, yo, dis-moi que Bata, allez, pour que nous eh bien, yo, ça me donner en Haïti, voilà. Est-ce que vous dites ou visa ou coupé, pour combien de temps vous dites ou li? Ok, pour vous préciser pour vous, dis-moi que
Après, nous finissons de discuter. C'est des heures, vraiment des heures. Et sur la piste américaine, même si j'ai des images du côté de l'ambassade, je suis en ambassade là, je suis trop béri. Je ne dis jamais, je ne vais pas gagner l'image là, je ne vais pas me montrer pour lui. Et je ne vais pas me montrer pour lui. Et donc, finalement, je décide, je ne vais pas le faire au enrichissement de déclaration de l'OSTE qui est fait. Et vous posez la même question, vous avez rejeté au revers de main, finalement, vous avez fait violence devant l'ambassade américaine, vous avez manifesté d'ailleurs. Les deux nouvelles devant l'ambassade, les rives de Mayam sont arrivées, sont formes de symboles pour nous mener à mon lieu, mais ce n'est pas depuis le pacte de la Canastre que Mayam arrive. Donc, je dis que vous avez même, et je ne crois que ce n'est pas vrai. Pas parce que vous confondez avec photo côté où tu as chanté, si vous avez joué, je viens d'aller, peut-être vous confondez deux, ça y est. Non, ça c'est sous mal dit. C'est une manifestation artistique. Les manifestations sont pratiquement au livre de Bernadette. Au livre de Bernadette, parce que nous avons organisé, c'est isolant, kino, nous avons organisé des manifestations. Donc finalement, qui ça a fait? Ils ont rédigé une déclaration bio. Et puis, pour la question, on a dit que le coup est bizarre. Mais il n'y a pas de pénalité. C'est-à-dire d'avoir, il n'y a pas de côté de nous, c'est qu'un échec 10 ans. Comme moi, contre ça a été mieux, donc il y a besoin d'être au kiki, de l'éducation mieux. L'autre sac n'a meilleur pas de l'ambassade là, et puis moi-même, moi, quand elle fait, on demande de visa. Et puis là, pour que si ça revient en main, ou comme information, moi-même, je vais trouver le français. Et ça a été donc, est-ce que vous avez de menaces que vous faites pour t'avouer madame, petite retourner, venir en Haïti, comme vous annoncez un ensemble de sanctions? Vous pouvez prendre une forme, ça y est. Pas de menaces que vous faites ou de sanctions, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, vous m'avez dit, par exemple, si moi, si mon Yuri, si mon Nenel, je suis journaliste, je vous dis que je suis journaliste, monsieur. Si mon Yuri? Si mon Yuri, si mon Nenel. Nenel Kassi? Oui, oui. Non seulement c'était un ancien acteur politique souterrain, mais deuxièmement, je suis journaliste, je m'en dirige. Une amie importante dans le pays. Donc, si on s'en va là, pratiquement fini. Donc, pour moi, je ne vais pas pleurnicher. Et comme je disais, c'est la première fois qu'il y a fait ça. En 2010, les jeudis, tous les jeudis pour faire monter les passés, je me suis dit que tu pouvais visiter environ 15 monde qui étaient en train de faire. Ça fait combien de fois que vous coupez visa? Ça fait deuxième fois. Mais c'est pour des raisons politiques. Okay. Et c'était malheureux, visa serviront un sac, vraiment, et pour faire pression, etc. Vous n'avez pas menacé aux questions de geler contours, si vous avez qu'à États-Unis, il y a saisi ou saisi bien, ou bien en Haïti. Pas non, ça, non, pas du tout. Pas du tout. Mm-hmm. Et pas du tout, nous parler de ça. Et donc, nous on fait des larmes, on domine l'immigration, et puis demain matin, et bien, il y a. Je me disais, bon, allez, je rentre chez moi. Donc, voilà. C'est clairement que je n'ai pas vu une bombe dans l'avion. D'ailleurs, je me suis passé l'immigration. C'est là que je me suis passé et puis je me suis accompagné. Je me suis demandé si ce n'est pas un appel à mon souverain qui déclenche cher. OK? Je suis en zone stérile interdite. Et je me suis appelé là deux fois. Et donc, par contre, qui est-ce qui déclenche? Cependant, comme je dis, nous, et. Il y a plusieurs bagailles, il y a plusieurs questions, mais il y a des étrangers, etc. Mais il me a dit, son question, c'est l'ambassade américaine que vous allez manifester. OK? Et il va ajouter aussi avec violence. Il me dit, vous pouvez venir. Vous ne pouvez venir. Et deuxièmement, moi, Jean-Charles, je suis des amis. Donc, voilà. Donc, il devait vraiment alors faire pour ça, pour que l'opinion publique soit informée, parce que moi, dans pile, pile parole, quand je parle de réseau, donc, comme vous dites là, c'est très écopé. Donc, vous faites ça pour nous dire, oui, effectivement, il y a beaucoup de là, parce que nous avons manifesté de l'ambassade là. D'ailleurs, est-ce qu'on a allé me dire plusieurs fois? Et il me dit, est-ce que je n'ai pas le droit? Et parce que les États-Unis, ce n'est pas la démocratie. Il n'y a pas de violence. Et il me dit, peut-être qu'il y a violence, je dis, bon. Même si je ne pas arriver, naturellement, la police voulait gaz au monde, je suis la police. Mais moi-même, et en autre cas,
d'ailleurs c'est pas qu'à mener non tout, c'est pas vrai carrément qu'à vous évoquer encore, pour qu'à vous évoquer encore. À cette fois-ci, où sont dit à l'heure, peut-être que Nel Kassi a essayé Ranger Kozel, est-ce que son liste où est au moins, il y a un homme, il y a gardé, il y a cité non sénateur la tortue, il y a dit Nel Kassi, il n'y a pas de cité dans l'autre nom, encore. Est-ce qu'on a listé plusieurs mouns là-dedans? Ou pas de guette en fond coup d'œil? Non, c'est pas vraiment où l'histoire est dans mes yeux. Chaque fois que vous une question, je viens avec un nom, on prend, etc. Je viens avec qui avant, après ça, je viens avec Nel Kassi, etc. Donc, mais on va avoir des détails. Je prends des questions, c'est le parti politique, c'est le parti qui a gagné. Donc, moi, je vais chercher un journaliste, je pose une question, je vais m'informer ou bien. Et je vais dire non, mais je vais te connaître, etc. Mais c'est pas grave, vous prenez déjà. Donc, nous pouvons voir comment ça s'est passé. Il a passé dans une situation que vous avez posé une question pendant que vous n'avez pas de deux, vous avez cherché à Rouen. C'est très difficile. Hein? Et il faut quand même sentir que c'est un bagage de venir. Alors, comme ces questions violence, yo reproche à ça, pendant qu'on conclut pour nous, est-ce qu'on a un message particulier à des gens qui, sans doute, a fait passer revendications à travers les manifestations, mais qui utilisent violence comme un âme pour permettre que vous fassiez revendications au passé? Est-ce que leur fin vive moment ça, est-ce qu'on a un message particulier? Non, pas seulement le moment ça, puisque. Dans la manifestation, on a toujours parlé de manifestation pacifique. Donc, par exemple, la violence, nous serions pacifistes. Nous avons avec ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait. Je suis obligé d'expliquer, monsieur, que nous avons 3 ans dans la politique active. Comment faire je dis après avoir précédé monsieur politique? Donc, je suis obligé de songer, si depuis 3 ans, je parle de la politique, c'est nous qui avons gagné. Et je me dis, monsieur, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous cité. Nous sommes responsables. Washington, tu as cité que RFI a cité. Tu as cité que RFI a cité, donc comme tu as dit, tu as cité qui? Tu as dit que qui est ce qui a péché violence? Donc, moi j'ai péché violence et je me suis dit que tout le monde qui a manifesté, qui n'est pas capable de péché violence. D'ailleurs, je me suis dit tout à l'heure, je me suis dit, même pas que c'est vraiment une raison, ça a eu un peu de froid. Et parce que je me suis dit, je me suis dit que je vais aller couper vite, donc qu'est-ce que nous tous? Et puis, Il y a un visa. Très bien. Merci en pile à cette fois-ci. Merci en pile. Merci beaucoup d'avoir suivi. À la prochaine. Très bien. Donc, mesdames, messieurs, nous avons suivi vos réactions à cette fois-ci. Donc, je pense que là, il y a les lanternes en pile monde qui, eux-mêmes, a expliqué, c'est parce que à cette fois-ci, tu as chanté, si vous ne voulez pas jouer, il y a mouru, parce que tu es artiste, c'est pas ça. À cette fois-ci, expliquer, c'est pas pour ça. Vous posez des questions, vous parlez de manifestations devant l'ambassade, des questions de violence. Emmanuel Yves, n'apprend l'autre invité, non?